جمعية الفتح بكروزفال في أول الثمانينات 84 هكذا كان المنطلق. الحمد لله الإخوان بكروزفال شرينا محل، فالحمد لله كان فيه التعليم العربية وكان فيه الصلاة. الإخوان فكروا بأن هذا المحل يعني ما يكفي، لابد يكون فيها فكر الأولاد وفكر يعني كيف تكون عندنا مدرسة حرة. فالحمد لله هذا المحل يعني جمعوا الأموال من كل جهة، يعني ما كانش تعاون إلا من المحسنين. والحمد لله كونا تكونت هذه الجمعية ديال الإكسيلونس هي اللي خدات هذا المشروع ديال مدرسة الإكسيلونس. سوي أشاكا مصطفى، جو سوي لو فيس دو أن دي فونداتور دو لاسوسيسيون. نو بارون إيزون مونتي سو بروجي. Et ils l'ont amené à bien, alhamdulillah. Et nous, aujourd'hui, on est la suite, on est là pour soutenir ce projet au maximum de nos compétences. De métier, je suis électricien, mais je suis un petit peu la personne à contacter en cas de problème. Et donc, on est là, on soutient le projet jusqu'au bout, inchallah. Monsieur Belmokhtar Mohamed, l'ancien directeur de l'excellence, on a travaillé et avec une bonne équipe. Et heureusement, il y avait une équipe de frères, mais mashallah, ils étaient là, ils ont assuré. Donc, de réunion en réunion, ils ont compris l'intérêt et l'importance d'une école musulmane, et notamment donc une école primaire, pour pouvoir pallier aux déficiences d'une école publique. En 2015, on a eu les autorisations pour éventuellement donc, ouvrir cette école avec une classe au départ, et puis faire des montées pédagogiques par la suite. Donc l'école a bien marché, les parents ont soutenu, ont joué le jeu, ont inscrit leurs enfants, et on a pu ouvrir cette fameuse école musulmane qu'on a eue. L'excellence, ouais, on a réussi, mashallah. Et ensuite, les montées pédagogiques ont suivi, et après la succession, j'ai passé le flambeau à Madame Ayane, qui, elle, a continué à... Vous voyez le résultat, de l'année 2015, donc un groupe d'hommes et de femmes se sont mobilisés pour créer sa propre école. De cette initiative est né donc un projet pour l'ouverture de la première école privée musulmane, bilingue, reconnue par l'État dans le nord-est de la France. Le projet consistait à garantir, à développer et à assurer la pérennité de cette première école élémentaire bilingue en Moselle. En septembre 2016, donc le groupe scolaire L'Excellence a fait sa première rentrée avec une classe de 16 élèves. Actuellement, donc, on compte 5 classes, donc avec au total 76 élèves. Cette école privée française et républicaine est ouverte à tous, sans distinction de sexe, de nationalité. Cette école dispense également les langues, notamment l'allemand et l'anglais. Elle a également pour vocation donc de dispenser un enseignement de qualité d'excellence. Elle est imprégnée de valeurs comme l'excellence, le courage, la persévérance, l'endurance, la droiture, le respect, l'humilité, la solidarité et la fraternité, qui sont autant de valeurs essentielles partagées donc par toute la société française. Monsieur Miranda, président de l'association L'Excellence, qui est l'association fondatrice de l'école L'Excellence, du même nom. Et voilà pourquoi le but de cette école, c'est de prendre en main l'éducation et l'avenir des enfants. C'est une responsabilité qui nous incombe à tous, et donc on essaie d'apporter les meilleurs éléments, les meilleurs atouts pour réussir dans cette entreprise qui est une grande entreprise de la vie. Maintenant, on s'en remet aussi à la confiance des parents, et ensemble, parents, élèves et groupe, le groupe pédagogique, on essaye de faire avancer ce projet-là, en espérant bien sûr aboutir, mais tout le temps de l'avant.